Au cœur de la forêt profonde, la tigresse pleure la mort de ses petits. Des chasseurs sont venus et les ont tués. Elle n'a pas pu les sauver. Depuis ce jour, elle va et vient, le cœur empli de haine et de chagrin, et rôde autour des villages. Un soir, elle attaque. Elle détruit les maisons, dévore les hommes et les bêtes. Mais cela n'apaise pas sa colère, au contraire. Le lendemain, elle attaque un autre village, puis un autre encore. La nuit venue, on n'entend partout que des cris de terreur. Le roi a déjà levé son armée. Il interroge la vieille Lao Lao, qui sait prédire l'avenir en jetant des baguettes de bambou et des cailloux. N'envoyez pas votre armée, Majesté. Cela rendrait la tigresse plus redoutable encore. Une seule chose peut apaiser sa colère. Vous devez lui offrir votre fils Wen. Sacrifier mon enfant ? S'écrie le roi. Je vous promets, Majesté, qu'il ne lui arrivera aucun mal. Le roi et la reine ont le cœur brisé. Wen, lui, ne semble ni triste ni effrayé. Quand il sort de son bain chaud, son baluchon est prêt. La reine lui donne une pièce de jade pour le protéger. Où tu seras, je serai avec toi, mon enfant. Au lever du jour, le roi emmène Wen jusqu'à la grande forêt. Maintenant, tu dois continuer seul. Au bout de ce pont se trouve le territoire de la tigresse. N'aie pas peur, il ne t'arrivera aucun mal. Je n'ai pas peur, répond Wen. Il franchit le pont et s'enfonce dans la forêt. Wen marche longtemps, longtemps, longtemps. Puis, fatigué, il s'endort au pied d'un arbre. La tigresse a senti l'odeur de Wen. Elle s'approche. À l'instant de se jeter sur lui, tout à coup, un geste lui revient.
Elle le prend dans sa gueule, comme elle prenait ses petits. Et soudain, toute sa colère la quitte. Très délicatement, la tigresse repose Wen et s'allonge contre lui pour le réchauffer. As-tu faim ? Lui demande Wen à son réveil en lui proposant les provisions de son baluchon. Sais-tu danser le tambour royal ? La tigresse ne répond pas, mais elle l'emmène à travers la montagne jusqu'à l'entrée d'une grotte. Cette grotte est un passage. Qui conduit au cœur de son territoire. Wen est émerveillé. Un jour, à l'heure de la sieste, Wen découvre une pointe de flèche dans le pelage de la tigresse. Elle se dresse en sursaut et rugit. Le souvenir de sa blessure a réveillé sa colère. Elle semble prête à dévorer Wen. Mais à cet instant, les yeux effrayés de Wen rappellent à la tigresse le regard de ses petits. Sa douceur de mère lui revient. Elle prend très doucement Wen dans sa gueule pour le rassurer. La tigresse n'attaque plus jamais les villages. Elle veille sur Wen jour et nuit et lui apprend tout ce que doit savoir un petit tigre. Les saisons passent et Wen grandit. Bientôt, la forêt n'a plus de secrets pour lui. Mais au palais, le roi et la reine sont malades de chagrin. Ils se demandent si leur fils est toujours en vie. Un jour, le roi n'y tient plus. Il envoie son armée. Les soldats se déploient dans la forêt et allument des feux. Wen et la tigresse sont pris au piège. Wen se jette devant la tigresse pour la protéger. Ne tirez pas ! Reculez ! Une voix de femme s'élève. Laissez-moi passer ! C'est la reine. Elle traverse les rangs des soldats et court vers son fils. Wen reconnaît aussitôt le visage de sa mère. Tigresse, dit Wen, voici mon autre mère.
Vous êtes mes deux mamans, celle de la forêt et celle du palais. Maintenant, je dois retourner au palais pour apprendre ce que savent les princes. Mais je reviendrai souvent, car je ne veux pas oublier ce que savent les tigres. La tigresse s'éloigne. Lentement et disparaît dans la forêt. Chaque année, Wen est revenu voir la tigresse qui l'attendait à l'entrée de la grotte. Et puis un jour, il est venu avec un tout petit enfant. C'est mon fils, a-t-il dit. Garde-le avec toi, le temps de lui apprendre tout ce que doit savoir un tigre. Alors, il pourra devenir un prince. Chao.
Quand il était petit, Angan adorait dessiner. Mais il ne pouvait s'acheter ni papier ni pinceau, car sa famille était trop pauvre. Afin de gagner un peu d'argent et d'aider ses parents, il travaillait pour l'aubergiste. Il livrait des repas chez des clients. Un jour, Angan livra un repas chez le célèbre peintre Wang Wai. Au moment de repartir, il vit des beaux chevaux derrière la maison et ne put s'empêcher de les dessiner sur le sable. Intrigué, Wang Wai s'approcha et regarda attentivement le dessin. Puis, il dit à Angan de revenir le voir le lendemain. Le lendemain, Wang Wai avait préparé pour Angan des papiers, des couleurs, des pinceaux et un peu d'argent. Ceci est pour toi, pour que tu puisses peindre autant que tu voudras. Le cœur de Angan se gonfla de reconnaissance. Angan dessinait de l'aube au coucher du soleil. Il aimait, par-dessus tout, dessiner des chevaux. Et toujours, il voulait qu'ils aient l'air le plus vivant possible. Il était si doué que quelques années plus tard, l'empereur, qui avait beaucoup entendu parler de lui, le fit venir au palais afin qu'il entre à l'Académie des peintres officiels. À l'Académie, Angan refusait de s'exercer en imitant les œuvres des anciens, comme le lui demandait son professeur. Il ne voulait peindre que des chevaux. Et bizarrement, il les peignait toujours attachés. Représentes-tu toujours tes chevaux attachés ? Lui demandèrent un jour ses camarades. Parce que mon ma ne s'enlève pas, il va de moi sortir. Parce que mes chevaux sont si vivants qu'ils pourraient sortir du papier. Alors, on commença à raconter des choses de plus en plus étranges sur les chevaux de Angan. Quelque temps plus tard,
au plus profond d'une nuit silencieuse, alors que Angan travaillait chez lui, un grand guerrier vint le voir. Ma visite doit rester secrète. L'ennemi est à nos portes. Je dois partir me battre demain. J'ai entendu dire que tes chevaux étaient plus vrais que nature. On raconte même que ton pinceau magique peut les rendre vivants. Pourrais-tu faire apparaître pour moi le plus fougueux et le plus vaillant des coursiers? On la cherche pas. Je peux essayer, répondit Angan. Angan se mit à dessiner avec toute son âme. Mais le cheval qu'il peignait ne prenait pas vie. Continue, il le faut, insista le guerrier.这个马不行，还是烧了吧。Je suis désolé. Ce dessin ne vaut rien. Autant le jeter au feu. Mais à l'instant où il jeta le papier, un fabuleux coursier jaillit d'entre les flammes. Le guerrier sauta sur le cheval et disparut avec lui dans la nuit. Prends soin de ta monture! Lui cria Angan. Mais seule la lune l'entendit. Ce cheval-là n'avait besoin ni d'eau, ni de fourrage, ni de repos. Dans son galop, ses sabots touchaient à peine terre. Le guerrier, lui, ne s'était jamais senti aussi puissant. Il n'était pas seulement puissant, il était invincible. Au plus fort du combat, aucune flèche, aucune lance ne l'atteignait jamais. Ni lui, ni sa monture. Le guerrier commença à remporter de grandes victoires. Mais ces victoires ne lui suffisaient pas. Il voulait se battre encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'ait plus un seul ennemi vivant.
La tristesse gagna le cheval. Celui-ci regardait les têtes coupées, les jambes arrachées, les chevaux morts ou blessés. Soudain, il se mit à pleurer. Se débarrassant du guerrier au milieu du champ de bataille, le cheval, encore tout couvert de sang, s'élança au grand galop. Rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Le guerrier chercha désespérément le cheval. Il le chercha pendant 36 jours et 36 nuits. Un matin d'automne, il arriva devant la maison de Hangan. Ce cheval que tu m'avais donné, dit-il à Hangan, il a disparu. Sais-tu où il est ? Je sais. Tu vois, hier j'ai dessiné 5 chevaux, maintenant il est devenu 6 chevaux. Il est revenu dans mes dessins. Dit Hangan, tu vois ce tableau ? J'y avais peint 5 chevaux. Un matin, quand je me suis réveillée, il y en avait un sixième. C'est là que ce cheval vit à présent, dans mon tableau.
Was a very little boy who had a big, big heart. He carried the world on his shoulders from the very start. He
His mother always told him, go and see the world and bring it back to me. His father said, my song will always with you be. So long, I'll soon be gone, flying away on my Chinese dragon. Your tears are on my face, they'll dry as I ride on my Chinese dragon. He packed a little bag with grief and sorrow. I'll take your troubles with me when I leave tomorrow. I'll empty my bag in a faraway region. And when I come back, you will all be freemen. Farewell, I'm on my way, riding away on my Chinese dragon. Your fears are on my back, I'll carry them all on my Chinese dragon. He went to mount the dragon to begin his mission. And suddenly he had a very bad premonition. What if I fall when I fly? I'll die for sure. And those who count on me will be sadder than they were before. The sight of the beast made him freeze on the spot. He couldn't even cry. The bag on his back became too heavy to carry. No use to try. He sat on the ground, the rain started falling. Then he heard a song, a distant song calling. My son, my love for you will keep you secure on my Chinese dragon. Our fears are not yours. Leave them and fly on your Chinese dragon. Because you're mine, leave us behind. Let your fears become your wings and fly. Because I love you, I want to leave. I want you to fly away. My feet are leaving ground. I'm flying away on my Chinese dragon. My fears are on my back. They'll do me no harm on my Chinese dragon.